Ce soir, on va vous parler un peu d'un concept qui prend ses racines assez lointain dans le temps et qui a un peu enflammé les passions à travers les âges. Ça serait, qu'est-ce que la lumière au départ? Est-ce que c'est une onde? Est-ce que c'est une particule? Et comment nos ancêtres sont arrivés à de telles conclusions? Et surtout, est-ce que cette caractéristique est propre à la lumière ou on peut l'extrapoler à d'autres modèles, à d'autres choses que l'on peut toucher, que l'on peut voir et qu'on peut concevoir. Donc mes collègues ici présents vont enchaîner les manips pour vous faire plaisir. Et pour commencer, on va commencer par Paul, ici présent, qui va vous parler de l'aspect ondulatoire de la lumière. Comme l'a dit Magie, je vais vous parler donc de l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc la lumière, comme beaucoup, je pense ici, le savent, c'est... C'est la dualité la plus connue au niveau de ondes-particules. Le premier à avoir finalement associé l'onde à la lumière, c'est Huygens, c'était au XVIIe siècle. À l'époque, on ne parlait pas encore d'ondes électromagnétiques. D'ailleurs, quand on parlait d'ondes, on associait ça plutôt à la mécanique et à la présence de matière, comme avec les vagues ou le son. Et il a été notamment confronté à plusieurs problèmes, en fait, puisqu'on a pu observer que la lumière se propageait dans le vide, c'est-à-dire là où il n'y a pas de matière. Et donc, à l'époque, ils ont décidé de modéliser le vide par une matière qui s'appelait l'éther. C'est seulement au XVIIIe siècle, avec Maxwell, que là, on a décidé de modéliser l'onde par des ondes électromagnétiques. Donc, c'est notamment grâce à ces équations qui permettent de coupler un champ électrique et un champ magnétique. Finalement, l'onde ressemble à ce que vous pouvez voir ici. On a un champ E et un champ B qui sont tous les deux orthogonaux. Finalement, ce qu'on voit autour de nous, c'est donc la luminosité. On dit que c'est une grandeur proportionnelle, à la norme du champ électrique au carré. Il y a plusieurs manips qui permettent finalement de mettre en valeur, enfin, de mettre, d'observer ce phénomène ondulatoire, là, qui sont un peu, je dirais, un peu instinctifs. Il y a par exemple la diffraction et les interférences. Donc là, ce qu'on a décidé de vous présenter ce soir, c'était une expérience classique, mais très efficace. Ça s'appelle les fentes d'onde. C'est ce qu'on peut voir sur l'écran. Enfin, le résultat en tout cas. Donc, pour cette expérience, on a juste besoin d'un laser, d'un objet diffractant et d'un écran. Donc, le laser envoie une onde lumineuse monochromatique. Et là, sur cet objet, on a deux fentes qui rencontrent le rayon lumineux. Ces deux fentes ont une largeur relativement petite qui va permettre la diffraction. Et elles sont espacées, elles sont relativement proches, et c'est ce qui va permettre en fait les interférences. Si on s'intéresse à l'intensité en fonction donc de la position sur l'écran, qui est donc X ou l'angle θ, qui serait en fait l'angle du rayon lumineux par rapport à l'axe optique, on voit qu'on a une superposition des interférences et de la diffraction. L'enveloppe, c'est la diffraction, c'est ce qui est le plus visible. Mais à l'intérieur des taches de diffraction, on va avoir des taches régulières qui, elles, correspondent en fait aux interférences. Ce qu'il faut aussi préciser pour cette manip, c'est que il faut que ce qui est, pourquoi ça marche, c'est que là notre objet en fait est une source secondaire. Donc les deux fentes agissent comme une source secondaire et à partir d'une seule source unique, la source primaire. Ce qui permet en fait aux deux rayons d'être cohérents. Et ce qui permet en fait d'interférer. Enfin, en tout cas, cette manip ne peut pas fonctionner seulement en considérant le côté, enfin l'aspect particulier de la lumière. Ça permet de justifier l'aspect ondulatoire de la lumière. Il existe aussi d'autres expériences comme par exemple qui permettent pourrait faire par exemple de la diffraction simple ou aussi utiliser d'autres interféromètres comme
le Michelson ou Fabry Perot. Ça, c'est une seule manip, mais il existe d'autres manips où finalement, on ne peut pas du tout considérer l'aspect ondulatoire de la lumière. Ça ne marche pas. Enfin, la théorie et l'expérience ne coïncident pas du tout. Et donc, Louis va vous présenter une manip comme celle-là. Je vais vous parler de l'aspect plus particulier de la lumière. Pour moi, c'est quelque chose qui est presque plus instinctif en fait, de penser à la lumière comme, un flot de particules qu'une onde. Mais finalement, ce modèle a été seulement proposé et découvert assez tard, car finalement, le système ondulatoire marchait plutôt bien pour la plupart des phénomènes observés, donc comme la diffraction que nous a montré Paul, ou d'autres choses comme ça, donc avec des prismes qui sont assez faciles à voir. Mais donc le caractère plus particulier de la lumière, du coup, est un peu moins instinctif et surtout va demander des technologies beaucoup plus poussées pour être mis en évidence. Mais il y a d'autres manips qui sont finalement assez simples, comme celle que je vais vous présenter juste après, qui ne peuvent pas tout simplement être expliquées par un modèle ondulatoire. Il a fallu attendre le modèle particulier pour pouvoir les expliquer. Donc ce que je vais vous présenter juste après, le phénomène photoélectrique en fait. Pour ça, par contre, je vais avoir besoin d'un petit peu de vous. Si quelqu'un a un pull en laine, par ici, le monsieur, si vous voulez juste frotter cette règle sur votre pull en laine, juste histoire de la charger un petit peu. Merci beaucoup. Nous, on s'est construit une sorte d'électroscope. Donc en fait, finalement, si j'approche la règle du coup, qui est normalement assez chargée avec le pull de monsieur, je vais quand même rajouter un peu de cheveux dessus pour voir. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, normalement, voilà, les plaques d'aluminium se sont écartées. Donc là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'effet photoélectrique ici? Évidemment, là, ça n'a rien à voir avec l'effet photoélectrique. Pour l'instant, c'est juste que, en fait, en approchant cet objet, du coup, chargé, en fait, du coup, en frottant sur le pull en laine ou sur mes cheveux, j'ai arraché quelques électrons, en fait, de cette règle. Donc, elle est chargée positivement. Donc, en approchant des fils en cuivre, les fils en cuivre vont avoir tendance, justement, à vouloir contrecarré dans cette charge électrique positive. Finalement, en fait, le fil en cuivre du coup va se charger en électrons. Et ces électrons, ils viennent pas de nulle part, ils viennent finalement de tout le reste du système auquel il est relié. En particulier, les deux plaques d'aluminium qu'on a mis à l'intérieur du bocal, du coup, qui elles vont toutes les deux se charger donc positivement. Et comme elles vont toutes les deux charger positivement, comme j'imagine que vous le savez très bien, deux charges de même signe vont se repousser, et donc les deux plaques vont se repousser. Donc, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est du coup, toujours en chargeant du coup, ce fil électrique, je vais approcher une lampe du coup, à vapeur de mercure. La vapeur de mercure est assez intéressante parce qu'elle va être assez très riche en UV, en fait. Donc, c'est une lumière très riche en énergie. Et du coup, normalement, si ça marche bien, quand je rapproche la lumière, elle se rapproche. Voilà. Vous avez bien vu, j'espère, que du coup, les plaques se sont rapprochées. C'est-à-dire que si les plaques se sont rapprochées, ça veut dire que le fil électrique, lui, n'était plus chargé. Et il a perdu finalement les électrons qui étaient en trop. Du coup, comment ça marche? Pourquoi, vous allez me dire, en quoi ça prouve l'effet, enfin le caractère particulier de la lumière? Ce qui s'est passé ici dans le fil de cuivre, quand j'ai approché la lumière qui était du coup très riche en énergie, c'est que du coup les photons, finalement, très riches en énergie de la lampe, sont venus taper sur le cuivre et comme ils avaient une énergie suffisante, ils ont arraché les électrons qui étaient là en surnombre. En quoi ça prouve le caractère particulier de la lumière? On va dire pourquoi simplement une onde, ça ne pourrait pas expliquer ça. Si on considérait la lumière seulement comme une onde, l'énergie serait beaucoup trop diffuse et en fait on n'atteindrait pas les niveaux d'énergie suffisants pour arracher en fait les électrons du cuivre et observer cette différence de charge. Cela même si on finalement, si on augmente l'intensité de la lumière. Du coup, si on augmente l'intensité de la lumière, on pourrait se dire on augmente l'énergie, on pourrait arracher les électrons en mettant une lumière assez vive. On remarque que en fait, ça ne marche pas et qu'il faut utiliser une lumière qui va émettre dans des énergies plus fortes, typiquement ici avec une lampe UV. C'est facilement explicable avec un modèle particulier. En fait, parce que du coup, dans un modèle particulier, c'est pas l'intensité de la lumière qui va changer l'énergie finalement donnée par cette lumière, ça va être la fréquence de la lumière, en fait la longueur d'onde
à laquelle elle est émise qui a changé, car en fait chaque proton, enfin chaque photon du coup, qui va être émis par cette lumière, va avoir une énergie plus importante, qui va être du coup directement reliée à cette longueur d'onde, à la fréquence à laquelle elle a été émise. C'est bien ces photons qui du coup chargés à la bonne énergie qui vont permettre cet arrachage des électrons. Et il y a d'autres manips qui auraient été peut-être un peu plus marquantes et plus visibles pour prouver que la lumière est vraiment composée de photons individuels et quantifiables, localisables. C'est la première manip qu'on aurait voulu vous montrer, qu'on n'a pas pu vous montrer, car ça demandait finalement des instruments de précision et une mise en place qui nous aurait pris beaucoup trop de temps. En prenant en fait un laser hélium néon et des polarisateurs croisés, on aurait pu réduire donc l'intensité de la lumière à un minimum. Et comme je vous ai dit, l'intensité de la lumière est directement en fait reliée au nombre de photons qui sont émis. Donc en fait, si on arrive à réduire assez l'intensité de la lumière, on pourrait en fait émettre seulement un photon à la fois. En plaçant du coup une photodiode derrière, du coup la photodiode qui fonctionnerait du coup avec ce même système photoélectrique que je viens de vous démontrer. Cette photodiode qui serait reliée à un haut-parleur, en fait, émettrait des sons à chaque fois qu'elle serait frappée par des photons. Et donc en émettant les photons à un, on entendrait vraiment un son discret, des petits grésillements du coup qui prouveraient l'essence du coup de photons du coup voilà qui seraient émis un à un. C'est intéressant d'imaginer finalement que la lumière peut être décrite à la fois comme une onde et comme une particule. Car du coup, si on arrive à émettre du coup ces photons un à un et qu'on reprend la manipulation que Paul vous a montré juste avant de la manip des fentes de Young. En émettant les photons vraiment un à un, on va en fait avoir du coup, ce qu'on appelle une expérience des fentes de Young affinées. Ce qui est représenté ici, c'est la densité de probabilité des photons en fait. Même quand on émet les photons un à un, on aura bien des taches qui se formeront du coup chacune de leurs formes, mais on retrouvera bien à la fin, si on répète l'expérience sur un temps assez long, sur un nombre de photons assez grand, les mêmes franges d'interférence. Qu'on observait avec les formes de Young sur un truc plus large avec un nombre de photons plus important. Donc ce qui est assez intéressant finalement, ce qui veut dire que en fait les photons après la fonte, même s'ils sont émis un à un, ils vont quand même interférer. En fait, ils vont interférer avec eux-mêmes. Du coup, ils vont vraiment interférer avec eux-mêmes une fois après avoir traversé la fente. Là, on tombe vraiment dans la quantique. Le photon passe à la fois, du coup, d'une certaine manière, à la fois dans les deux fentes et va, du coup, vraiment interférer avec lui-même et ne va pas tomber, du coup, beaucoup moins dans les interfranges, au niveau statistique. Juste pour vous présenter un truc que j'ai trouvé assez magique au niveau de la mécanique quantique, c'est que là, on observe ces franges d'interférence, en fait, si on fait la mesure à l'écran. Au niveau de l'écran. Mais si, on remarque que si on fait la mesure au niveau de la fente, si on arrive à déterminer par quelle fente le photon est passé, donc c'est comme les séances de Schrödinger finalement, on a ouvert la boîte et on sait, du coup, là dans l'expérience de Schrödinger, c'était si le chat était mort ou vivant, et donc là on sait dans quelle fente il est passé. Et donc finalement, si on fait la mesure à la fente, si on sait par quelle fente elle est passée, on n'observera pas de figure d'interférence à la sortie sur l'écran, il n'aura pas interféré, il aura été du coup déterminé. Donc je vais repasser dans la parole à Majid. Ok, merci beaucoup Louis. Donc en ce qui me concerne, moi je vais reprendre le flambeau de Paul et Louis, et je vais vous parler de la dualité, mais à une autre échelle. Je vais vous demander si je vous parle d'une onde à l'échelle macroscopique, donc à l'échelle à laquelle on peut toucher, on peut voir, sans aucun intermédiaire. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre? La houle, excellent. Alors, ça, c'est parfait. Et deuxième question, si je vous parle de particules, alors là, vous me dites quoi? Alors, qui c'est qui a triché ici? La goutte, ok, merci monsieur. Donc voilà, une goutte et une houle, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ici, maintenant, pour mettre en place un peu la manip, je vais vous parler de l'effet Leidenfrost, rapidement, juste pour vous donner une idée. L'effet Leidenfrost, c'est ce qu'on appelle en français la caléfaction. C'est une goutte qui, face à une surface qui serait d'une température donnée, très élevée, a priori, eh bien, elle serait en suspens sur le nuage de vapeur qu'elle crée elle-même. Donc elle serait en lévitation. À partir de ce phénomène-là, ben, on s'est dit, est-ce qu'en remplaçant cette vapeur par de l'air, ça pourrait marcher? Je ne vous gâche pas le suspense, donc ça marche. Et du coup, on va
utiliser cette couche d'air afin d'isoler une goutte sur un bassin. Mais comment faire pour que la couche d'air reste là, puisque vous imaginez bien que si la goutte tombe sur cette couche d'air, eh bien, s'il n'y a pas de contrainte périphérique, eh bien, l'air fuirait sur les côtés. Et du coup, on s'en trouverait avec une goutte qui coalescerait avec la surface, puisqu'il va falloir minimiser la tension de surface, blablabla. Je vous passe les détails. Vous voyez ici le schéma d'une goutte qui emprisonnerait effectivement le film d'air juste sous sa masse. Du coup, comment renouveler le flux d'air? Eh bien, l'équipe de Yves Coudert, enfin, et lui-même d'ailleurs, ont imaginé le fait de faire vibrer en fait le support. Avec le recul, je n'oserais pas dire que c'est tout simple, mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Je ne vous le fais pas dire. Alors, je ne vous raconte pas qu'être dans une salle confinée avec ce truc qui vibre, ça n'aide pas. Pendant une semaine, on en sort avec des migraines. Mais le résultat, je vous l'assure, est beau à voir. Pour pouvoir réussir ça, si vous voulez le refaire chez vous, eh bien, vous aurez besoin d'un outil qu'on a fait arriver du fin fond de l'Europe. On a commandé pendant 3 mois à l'avance. Ça s'appelle un cure-dent. Tout simple, une petite pique en bois que vous pouvez donc utiliser pour trouver ce qu'il vous faut. Donc là, je viens de me gâcher le suspense. Vous voyez là une goutte qui serait en suspens sur la surface. Donc cette goutte juste là. Donc voilà la goutte qui rebondit sur la surface. Pour que cette manip fonctionne, il faut rester en deçà d'un seuil. Donc vous voyez là, c'est des zones stationnaires qui se forment à la surface du liquide. C'est une instabilité qu'on appelle l'instabilité de Faraday. L'espérance de vie des gouttes en fait est complètement, enfin, considérablement réduite. Et vous voyez que la trajectoire est un peu aléatoire et qu'on ne peut pas vraiment exploiter ces résultats. Donc on va se placer juste en deçà de ce seuil, de façon à ce qu'on ne voit plus les gouttes. Et ensuite, on vient planter ces gouttes-là. Donc la sensibilité de l'œil n'aidant pas, en fait, on branche la caméra en mode stroboscopie. Donc il faut savoir que pour un liquide d'une certaine viscosité, on a une équivalence avec la fréquence de forçage à laquelle on pourrait avoir ce genre de comportement. Donc sachant que la fréquence de forçage, eh bien, sera égale, en fait, à la moitié de cette fréquence, on aurait droit à l'instabilité de Faraday. Donc on sait qu'en se plaçant en deçà du seuil de Faraday, eh bien, on est aux environs de 40 Hz, un peu moins. Et du coup, pour pouvoir filmer ça, avoir cette impression de mouvement, pour pouvoir suivre l'œil, eh bien, on filme ça en stroboscopie. Donc, on décale ça. On décale la fréquence d'acquisition de la caméra d'un encore un petit chouïa. Oui, je vous l'accorde, c'est une science exacte. Et pour avoir ce résultat. Donc là, la caméra est fixe et pourtant, vous voyez la goutte qui bouge. Je peux influencer sa trajectoire, par exemple. Faire en sorte qu'elle tourne en rond et compagnie. Et ça, c'est en fait la goutte se trouvant au sommet d'une bosse, en fait de la bosse de l'onde qu'elle crée, va se retrouver dans le cadre d'un équilibre instable. Du coup, elle va tout faire pour retrouver la stabilité. Et il suffit juste de se décaler d'un coin pour aller vers un équilibre stable, comme vous pouvez vous imaginer la vague en sinus cardinal. Du coup, ainsi de suite. Dès qu'elle se retrouve en fait sur un versant, l'onde réagit d'elle-même et la projette sur un autre pic. Ainsi, on peut la voir en train de se mouvoir. Et donc je bavarde, mais l'idée ici, c'est que la goutte a créé l'onde et l'onde maintient la goutte en fait. Donc voilà l'histoire de la dualité. On a une goutte qui, en rebondissant, crée une onde. Et l'onde elle-même maintient la goutte, ce qui nous fait que, eh bien, on a une sorte de dualité entre goutte et onde. Ce que je cherche à faire ici, c'est créer une goutte qui se retrouverait dans une situation où elle réussirait à bouger. Et donc là, vous allez voir passer une goutte à marcheur. Donc c'est mignon, c'est des petites bébés gouttes qui se baladent.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer. Alors, un des gros problèmes aussi, c'est qu'elles sont très sensibles au courant d'air. Vous imaginez bien que si je crée un mouvement d'air à côté, eh bien, j'influence sur leur trajectoire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire se rapprocher de gouttes. Alors, si je fais bien mon boulot, et si je suis dans le cadre, eh bien, on les voit en train d'orbiter l'une autour de l'autre. Alors, j'ai un peu forcé le destin, certes, mais le résultat est là. Alors, ces deux gouttes sont, si vous le permettez, en phase. En gros, les interactions qu'elles créent à la surface de l'huile de silicone, donc, eh bien, elles permettent que l'une emprisonne l'autre dans son champ. Du coup, encore une fois, dualité corpuscule-onde. Il y a une certaine différence. Là, j'ai eu de la chance, les deux gouttes sont de même taille. Par contre, si je tente le diable et que je crée une petite goutte et que j'évite de parler à côté quand même, on a deux gouttes qui sont en mouvement normal, mais qui n'orbitent pas l'une autour de l'autre. Et vous pouvez voir une petite oscillation de ce type. Donc, elles suivent une trajectoire comme ça. En gros, elles se rachètent à chaque mouvement, mais pas suffisamment pour qu'elles se retrouvent éjectées du sillage qu'elles se sont créées. Je vais séparer les deux gouttes qui sont orbitées en haut de l'écran. Et du coup, vous allez peut-être voir l'interaction. En fait, le petit inconvénient avec ce genre de manip, c'est que les profondeurs de champ ne sont pas suffisamment conséquentes pour avoir une liberté de mouvement. Donc, on doit rester focalisé sur une zone afin de voir un peu les effets que ces gouttes ont sur leur surface. Vu que mes tentatives de création d'impact se sont soldées par des échecs, eh bien, je vais essayer de créer un réseau. Un réseau avec des gouttes. Ok, là, on en a certaines de même taille. On va essayer d'en faire quelque chose de beau, que vous ne soyez pas venu pour rien quand même. Et voilà, ça a des formes assez rigolotes à voir. Et bon, à ce niveau-là, ben, on n'arrive pas à grand-chose. Mais certains courageux thésards, je tiens à le dire, eh bien, arrivent à créer des réseaux de plusieurs longueurs. Vous voyez donc les cinq gouttes là qui ont créé un réseau. Et donc des chercheurs plus confirmés, on va dire, eh bien, ont réussi notamment à faire des réseaux de plusieurs gouttes de largeur. Et donc ces emplacements sont bloqués, sont quantifiés, puisque une goutte ne pourra être que dans un certain nombre entier de longueur d'onde par rapport à sa voisine. Stable, bien sûr, puisqu'il faudra qu'elle soit logée dans un creux qui sera lui-même stable. Du coup, ce qui implique le fait que ces endroits ne sont pas comme ça au hasard, mais bien quantifiés. Et comme le disait si bien Louis tout à l'heure, on retombe dans la quantique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet tunnel? Monsieur à droite, monsieur à gauche. Alors, monsieur Neulig Daghorn, qui veut garder l'anonymat, apparemment. Et donc, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous souffler rapidement ce qu'est l'effet tunnel? On dit que c'est un effet saute-mouton. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe au-dessus d'une barrière de potentiel pendant un bref instant, calculé selon la règle delta E, delta T. Exactement. Donc, c'est un peu avec. On peut faire une analogie avec le sauteur de. L'athlète qui fait le saut en hauteur. Et en venant courir, eh bien, comment ferait-il pour faire en sorte d'avoir la bonne énergie potentielle pour passer au travers de la haie? Steve Cooder et son équipe ont fait, et ce que leurs successeurs ont fait, c'est qu'ils ont réussi en fait à recréer l'effet tunnel grâce à une goutte. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont pris un cadre qu'ils ont immergé dans un liquide comme celui-là, donc de l'huile de silicone. Et ils ont laissé une petite épaisseur de liquide entre le sommet du cadre et la surface. Ils ont fait comme moi, donc, enfin un peu plus professionnellement, donc créer des gouttes à la surface de ce liquide et un peu voir leur comportement. On peut observer la goutte qui se balade dans ce cadre et à chaque frontière, en fait, la goutte émet son onde. Il y a une partie de l'onde, certes atténuée, mais qui passe quand même à travers le bord. Et l'onde rebondit et fait ses tours comme ça. Ce qu'on peut observer en fait, c'est que au bout d'un moment, ben, il y a un changement de trajectoire et après l'impensable se produit. Eh bien, la goutte passe au travers de cette barrière. Ils ont donc fait
une tonne de tests comme ça, des manipulations à la chaîne pour avoir un modèle statistique. Et ils ont effectivement reconstitué ce qu'on pourrait décrire par analogie comme l'effet tunnel. Comme la vidéo ne semble pas être prête pour tout de suite, je vais vous laisser aux mains de Reed qui va vous parler du dernier axe de notre conférence et en espérant que mon ordinateur soit plus coopératif. Vous avez vu qu'il y avait la dualité onde-corpuscule, l'aide réciproque entre l'onde qui crée la goutte qui crée l'onde, etc. Et donc en fait, on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait jouer avec ? Donc avec les gouttes, avec les ondes. Donc ça commence, on va dire, par une petite histoire assez bizarre qui nous vient du Japon. Donc c'est quelqu'un qui voulait déclarer sa flamme à sa bien-aimée et qui a essayé de lancer un cœur dans une piscine. Et effectivement, il y a eu des ondes, et les ondes d'habitude donc, se propagent à la forme du cœur. Sauf que dans cette piscine, il y avait certains capteurs, donc piézoélectriques, donc, qui ont pris le signal, qui ont fait une sorte de miroir et qui après ont réenvoyé le signal à l'envers. Donc ce qui fait qu'on a eu de nouveau le cœur qui s'est reproduit. Donc comme dans les films, vous avez le cœur qui grandit, qui disparaît, et le cœur qui regrandit et qui redevient petit. Et donc cette expérience s'appelle le retournement temporel. Et c'est une expérience qui est en train d'être conduite actuellement par Monsieur Finks et son équipe, donc à l'ESPCI et Ross Keering, si je ne me trompe. Et pour nous, aujourd'hui, on va essayer de vous faire la manip du retournement temporel sonore. Donc je parle et on me renvoie le miroir de ce que j'ai parlé. Et pour cela, il faudra remercier Monsieur Doroni, donc, qui nous a dirigé vers Monsieur Novakovski, qui nous a vraiment aidé à monter la manip, et son ami Arthur le stagiaire. Voilà. Donc une petite idée de la manip. Donc c'est très simple, on va essayer de juste refléter le son que l'on va dire en fait. Ce que vous voyez aussi ici, ce n'est pas pour une salle de concert, c'est pour une manip très scientifique, donc qui s'appelle le retournement temporel à l'échelle du son. Donc une petite histoire, donc effectivement vous savez que lorsque l'on parle, en fait vous émettez des ondes, donc qui sont les ondes sonores. Donc ces ondes sonores vont constituer le point essentiel de notre manip. Tout d'abord, nous avons une source S, donc qui va être le volontaire courageux qui va accepter de venir et effectuer la manip. Donc qui va parler. Comme nous sommes dans une salle confinée, on est dans une sorte de caisse de résonance, on va dire. Donc plus ou moins de réverbération selon les conditions. Vous allez parler, vous allez envoyer une onde sonore qui est sphérique et qui va se propager à travers la salle. Donc ce que vous voyez autour de vous, ce sont des micros et des haut-parleurs. Donc ils sont couplés. Donc en parlant, en fait, vous allez avoir le chemin direct de votre onde qui va aller vers un micro. Et aussi, donc, comme pour la lumière, vous allez avoir parfois des chemins indirects. Donc vous allez avoir certaines réflexions par rapport au mur, donc au mur de la salle, etc. Donc les micros que l'on va poser, donc, ils sont là, etc. On essaie de mettre le plus de micros possible pour avoir le plus de signaux. Vont recueillir tous les signaux, en fait, donc toutes ces ondes qui vont être recueillies. Et on va faire le fameux retournement temporel, en fait. Donc on va recevoir notre signal. Donc vous avez ici le chemin direct en jaune, donc voilà les premières ondes, puis vous avez les deuxièmes échos qui arrivent. Le signal, le retournement temporel, en fait, c'est en utilisant l'équation de propagation de l'onde qui est là. Donc c'est une dérivée seconde par rapport à t. Si on veut remplacer par moins t, bah, ça reste un plus. Donc voilà, c'est en gros, de manière très rustre, l'astuce. Donc en fait, on va réussir à inverser le signal, donc on va faire une sorte de symétrie. Et vous voyez, le signal que l'on va réémettre, donc que nos haut-parleurs et nos micros vont réémettre, vont être en fait le signal retourné. Donc on commencera par le chemin rouge, en fait, donc qui est le chemin le plus long qui devra repartir en premier, puis le chemin bleu, puis le chemin jaune. Et en fait, on va réussir à refocaliser le son que l'on va envoyer. Donc la personne, en fait, va rester ici. Il y a une animation, en fait, que M. Novakovski nous a donnée et qui explique, en gros, on va faire une animation, en fait, de comment le son se propage à travers la salle, sauf si les dieux ne veulent pas. La personne va parler, donc va émettre un signal sonore. Le signal sonore va être recueilli par les haut-parleurs et ils vont être réémis. Donc vous, dans la salle, vous allez entendre quelque chose, mais ce quelque chose n'a aucun sens. Donc la personne supposait qu'elle dise kayak.
Donc elle va entendre Kayak, mais elle seule va entendre Kayak de façon claire, nette et précise, comme elle a dit. Et vous allez entendre des syllabes avec des K et des A et des Y et des H. Donc si vous avez de la chance et que vous êtes dans une salle, que vous êtes dans un endroit en fait qui se prête aux interférences entre les ondes sonores et qui vont faire que vous allez entendre quelque chose qui ressemble vaguement à Kayak, mais ce ne sera pas le vrai Kayak. Et donc en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir parler et juste de nous entendre ce qu'on dit à l'envers, c'est aussi que ces ondes en fait ont des applications très intéressantes dans la médecine. Donc on sait très bien que lorsque l'on arrive à focaliser par exemple dans la destruction des calculs rénaux, on arrive à utiliser des ondes ultrasonores, donc des ultrasons, donc qui vont réussir à chauffer certains tissus et à détruire des calculs rénaux qui se trouvent dans les reins, ce qui était assez difficile du point de vue sans retournement temporel. On va vous montrer une première animation en fait, donc qui correspond à l'émission du signal sonore lorsque vous parlez dans la salle. Vous êtes la source, les petites croix en fait seront les micros avec les haut-parleurs, et en principe c'est le chemin que l'onde sonore prend. Dans la deuxième animation que l'on va voir, si jamais le câble veut bien être câblé, ce sera en fait la réémission en fait du signal temporel, donc qui sera inversé. Vous allez recevoir en fait chaque micro va émettre des ondes, et donc ces ondes en fait c'est comme sur les vagues dans une mer. Donc vous aurez des endroits où vous aurez des creux, où vous aurez des saillies, et en fait on va finir par reconstituer en fait le signal qui va revenir se reconcentrer, se focaliser sur la personne qui a parlé. C'est pour ça que la personne n'a pas intérêt à vraiment bouger, parce que si jamais elle bouge, on ne pourra plus jamais savoir où est le point où en fait toutes les ondes sonores se rencontrent et que l'on entend le mot clair, net et précis, et entendra quelque chose soit de vague, soit de bizarre. C'est la réémission des signaux retournés temporellement. Là, au début, bon, ça ressemble un tout petit peu à un charabia, mais au fond, vous allez commencer par voir, vous avez plusieurs franges, et le signal va finir en fait par se reconstituer et retourner sur la personne. L'expérience donc demande du silence. Si vous êtes assis à vos places, on va essayer de ne pas bouger, parce que ça va sinon changer la géométrie de la salle, donc tout ce qui sera par rapport à la réflexion des ondes sonores. Et j'aimerais bien que quelqu'un vienne nous porter assistance en voulant bien dire un mot ici. Ce que vous allez faire, ce sera dire un mot. Donc si vous voulez dire kayak, c'est un palindrome, ça va renvoyer kayak. Sinon, vous pouvez dire Svern et ça va renvoyer Anvers. Donc n'importe quoi. Oui, c'est ça. Un peu en verlan, oui, hyper bizarre. Ce que vous allez voir maintenant, c'est un algorithme qui a été mis au point par des chercheurs. Donc l'idée du retournement temporel et des applications qui ont été données. Donc c'est effectivement Mathias Finks là qui est en train de travailler sur l'idée du retournement temporel au niveau des vagues. Du point de vue application médicale, l'idée c'était non seulement essayer de détruire des calculs rénaux, mais on essaie aussi de détruire des tumeurs au cerveau. Et l'application ici est assez intéressante, parce que l'on sait que les rayons X, c'est peut-être bien pour faire des échographies, mais c'est pas très bien pour le reste des tissus humains. Le problème du cerveau, c'est que l'on a des boîtes crâniennes qui sont assez différentes, qui sont rugueuses par endroits, lisses par d'autres, donc ça fait un terrain assez rocailleux pour s'aventurer. Et pour faire tout ce qui est cartographie et imagerie du cerveau, c'est assez difficile, parce que l'on a toujours les histoires de réflexion, donc de diffraction par rapport à la boîte crânienne. C'est assez bizarre et on a des images qui ne sont pas forcément très jolies. Donc l'idée avec le retournement temporel, c'est que l'on arrive parfois à localiser la source en utilisant le retournement temporel. Donc c'est très facile, on envoie une onde, on regarde les réflexions en fait, donc qui correspondraient, et en retournant les signaux, on arriverait à refocaliser sur le point que l'on veut. Et ce pourrait être une piste assez intéressante pour la destruction des tumeurs qui seraient dans le cerveau ou dans toute autre partie du corps. Sachant que l'on peut aussi chauffer des tissus humains, donc à l'aide des ultrasons, et c'est des méthodes, on va dire, non destructives et non toxiques par rapport au corps humain. J'aimerais préciser ceux qui ont envie en fait d'essayer la manip, parce que c'est juste la personne qui va parler, qui va se rendre compte vraiment du retournement. Vous allez juste entendre des bruits bizarres. Donc pas des bruits bizarres, parfois vous pourrez entendre kayak si kayak est vraiment très dit de manière très nette, mais vous pourrez passer à la fin, si jamais tout se passe bien, et essayer en groupe. L'important c'est d'avoir le plus de voix possible pour avoir le plus de signaux. Donc la manip qui a été montée, donc la démo qui a été montée auparavant, constituait une sorte de vingtaine de micros.
Mais d'habitude, avec à peu près une quinzaine, 14, 15 micros, ça devrait bien rendre. Donc voici l'algorithme. Vous vous placez là et vous ne bougez plus. Kayak. Kayak. Donc là, je vais sélectionner le bruit que je veux retourner temporellement. Voici notre zone sélectionnée. On va faire le retournement temporel. Donc c'est effectivement avec un algorithme, c'est très facile, mais bon, pour refaire ça en symétrie, c'est pas difficile. Et là, on va réémettre en fait. Et en principe, si tout va bien, vous devriez entendre. Pour vous, c'est assez bizarre. C'est une sorte de dédoublement. Mais Monsieur Bico, s'il n'a pas bougé, devrait entendre Kayak comme il faut. C'est l'expérience. Ça a pris beaucoup de temps. Et si ça n'a pas déjà été fait, c'est parce qu'on n'avait pas vraiment l'appareil et l'outillage nécessaire. C'est toi qui t'es arrêté. Donc, voilà. C'était la manif. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment les applications que cela laisse envisager. Donc, essayer d'arriver à rendre le monde meilleur, guérir toutes les maladies, etc. Et sinon, c'est assez drôle parce que vous pouvez dire n'importe quoi et quand ça vous retourne, ça pourrait donner lieu à beaucoup de fou rire, on va dire. Parce que si vous dites quelque chose qui n'est pas palindromique, vous aurez vraiment un charabia qui sera retourné. Vous pourrez venir essayer, vous avez vu, il n'est pas mort. Donc, voilà.